Marc, on parle de cette étape samedi. Elle est pleine de symboles. Non, c'est une étape pour faire la course. Et je veux surtout pas qu'on entre dans autre chose avec notamment avec Thibaut. On est là pour faire une étape du tour, rien qu'une étape du tour et encore une étape du tour. Donc vous allez arriver à exclure tout ce qui l'entoure? Il faut, parce que si on le fait pas, on va passer à travers. Julien Alaphilippe vient de nous dire, Thibaut, personnage attachant, j'ai plein de souvenirs avec lui, il va manquer au peloton et cette étape, il faut qu'il la gagne. Oui, non, mais ça, c'est des mots, c'est des phrases, c'est la séance de violon de l'arrivée des courses. Donc comment on prépare ce genre d'étape? Quel briefing on va pouvoir donner, sans nous donner les coulisses du truc? Étape à la mort. Étape à la mort? Bien sûr. Ça va être à la force mentale que ça va se jouer. Comment il se sent là? Là, il a l'air d'aller, mais faut surtout pas qu'on tombe dans le piège de la journée émotion, la dernière étape de ci, de ça. Non, surtout pas. Donc l'ultra sensible Marc Madio va pouvoir gérer tout ça? Comment? L'ultra sensible Marc Madio va pouvoir gérer toutes ses émotions? Oui, vous inquiétez pas. On se voit à l'arrivée. Voilà.